Quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? Je veux pas être... Il ne faut pas qu'on voit ça comme le tribalisme. Et moi, je vois que ce sont les Bassa. Un modèle et un exemple à copier. Et nous aimerons savoir, selon vous, quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? Pour moi, la tribu la plus élégante au Cameroun, c'est la tribu Douala. Douala. Ça, et pourquoi ça? Parce qu'ils savent bien se mettre. Oui, ils savent bien se mettre, ils savent bien s'habiller, ils sont très éloquents. D'accord. Je te remercie. De rien. Je suis une bombe, mais je parle pas. Selon vous, quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? La plus élégante, je dirais, la question est un peu controverse. Oui. Dans un premier volet, je dirais l'Ouest, Cameroun. Dans les Bamileke. Oui. 0 exposant 0 fois racine carrée de 0 divisé par 0 multiplié par 0. Voilà ton niveau ce soir. Dans les Bamileke, pour toi, ce sont les plus élégants. Oui. Et chez les Bamileke, est-ce qu'il y a un village particulier que tu penses qu'ils sont mieux que les autres? Ah, mais bien sûr, bon. Pas mieux dans le langage courant, comme les gens ont l'habitude de dire. Mm-hmm. Les Baganté sont des gens nobles. Oui. Mm-hmm. Les Baganté. La noblesse, oui, quoi. Je te remercie. Ok, merci. Quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? La tribu la plus élégante au Cameroun? Oui. Mais bien sûr, ce sont les Mbamois. Les Mbamois? Oui, bien sûr. Dans le Mbam, c'est vrai, il y a les gars de Bokito, il y a Umbessa. C'est quel village dans le Mbam, exactement? Bon, particulièrement, c'est Mbangasina. C'est un arrondissement dans le département du Mbamikim. Dans le Mbam. Je ne sais pas si vous maîtrisez. Non. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Vous auriez dû le savoir. Mais voilà. Si tu me parles du Mbam, qu'est-ce que c'est dans le Mbamikim, là, je crois que... Oui, c'est dans le Mbamikim, parce qu'il y a le Mbaminoubou, il y a le Mbamikim. Mm-hmm. Bon, maintenant, le chef de département dans le Mbamikim, c'est Nchui. Mm-hmm. Et Mbangasine aussi, c'est un arrondissement. C'est peu connu quand même dans le jargon du centre, tout ça, mais c'est un arrondissement qui existe, tu vois un peu. D'accord. À l'intelligence aiguisée. Voilà. Donc, c'est les Mbamois qui sont les plus élégants. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est sans discuter, quoi. Et pourquoi ça? Parce qu'ils sont élancés, ce sont des étalons, ils sont bien faits, charismatiques. Bon, vous savez que l'élégance, d'abord, ça dépend de la considération de tout un chacun. Mm-hmm. Mais tu sais, il y a un truc, l'œil ne ment pas dans le visuel, quoi. Mm-hmm. Donc, quand tu les vois, déjà, moi, je suis la preuve. Donc, c'est un peu ça. Je te remercie, mon frère. Ok, merci aussi. Selon vous, quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? Qui s'habille bien, qui sait bien se mettre? Les Baganté. Les Baganté. Je te remercie. Selon vous, quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? La tribu la plus élégante au Cameroun? Oui. Mais c'est ma tribu. C'est quelle tribu comme ça? Ntoumou. Je connais les Ntoumou. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Vous auriez dû le savoir. Dans quel département? Dans la vallée du Ntem. Dans le Ntem. Mm-hmm. Oui, c'est dans quel département? Département de la vallée du Ntem. Et c'est quel arrondissement? Arrondissement d'Ambam. D'Ambam. Ah, Ambam. Mm-hmm. Donc ce sont eux les plus élégants. Oui. Et pourquoi ça? Parce qu'ils sont bien foutus ou bien parce qu'ils savaient bien se mettre? Parce que c'est ta tribu. Mais parce que c'est ma tribu. Qui parlait à l'encontre de sa tribu et dit que peut-être c'est le Bamileke qui est le plus élégant, alors que moi je suis un Toumou, je dois valoriser d'abord les miens. Oui. Non, c'est normal, on reconnaît d'abord d'où on vient. Mm-hmm. Je te remercie, monsieur. Merci aussi. Foutaise n'est pas foutaise. Selon vous, quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? Tribu la plus élégante, comment? Oui, qui savent se mettre, qui s'habillent bien, selon toi, quand tu vois, tu sais que non, cette tribu, vraiment, rien à dire.
Moi, pour moi, je trouve que tous les Camerounais s'habillent bien. Que les Camerounais sont élégants. Voilà. Dans la sapologie est camerounaise désormais. Voilà. Les Congolais peuvent aller se faire voir. Non, c'est pas ça. Également les Congolais, mais les Camerounais, pas partout, dans toutes les tribus, on va trouver des gens qui s'habillent bien. Qui s'habillent bien, qui sont élégants. Voilà, qui sont élégants naturellement ou bien bon, physiquement. Bref, moi je trouve que c'est dans toutes les tribus qu'on trouve des gens élégants comme ça. Donc Cameroun. C'est le Cameroun qui gagne en fait. C'est le Cameroun. Donc on peut dire que le Cameroun gagne le Congo. Dire que le Cameroun gagne le Congo. Oui, 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 parce que les Camerounais, s'ils se sapent bien, ça veut dire qu'ils sont plus sapés que les Congolais désormais. Ah, parce que c'est ce que vous dites. Ah ben non, c'est toi qui dis. Non, non, non. Non, je te remercie mon frère. Ok, mon frère. Le roulard, je vais rester calme. Mais la vie de ma mère, sale petit nul. Aïe, aïe, mon dos. Selon vous, quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? La tribu la plus élégante au Cameroun, pour moi, je crois qu'ils sont les Bassa. Les Bassa. Et pourquoi ça? Parce que les Bassa, ils sont bien foutus, ils s'habillent bien. Ils ont un certain charisme qui... Un charisme dans l'habillement, ils savent marier les couleurs. Ils sont un peu comme les Congolais, en fait. Ouais, en fait, c'est un peu comme ça. Ce sont les Congolais du Cameroun. C'est les Congolais du Cameroun. Je te remercie, mon frère. Merci à vous. Voilà. Propre comme ça, est-ce que c'est pas beau comme ça? Quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? Qui sait bien s'habiller, qui sait bien se mettre? Les Douala. Les Douala. Et pourquoi ça? Parce qu'ils s'habillent en pagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont un style particulier. Parce qu'ils ont un style particulier. Comment? Style particulier dans le sens où ils s'habillent en tenue traditionnelle. Oui. Beaucoup plus en tenue traditionnelle. Et non, en habit, je dirais quoi. En habit de ville. Oui, de ville. Ils ne sont pas extravagants. En tenue de ville, voilà. Ils sont beaucoup plus posés, responsables. D'accord. Je te remercie. D'accord, merci aussi. Alors, nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, selon vous, quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? La tribu qui se sape bien, qui sait bien s'habiller, selon toi? Moi, c'est Bamileke, c'est Bamileke. Hein? Oui, bon, chez les Bamileke, il y a plusieurs villages. Oui, Banganté. Les Banganté. Oui. Et pourquoi ça? Pourquoi ça, les Banganté? Non, parce que d'abord, les Banganté, d'abord, de nature, nous sommes élégants. Donc, il n'y a pas question de dire que on va encore chercher l'homme. Non, nous sommes d'abord de nature élégante, les Douala de l'Ouest. Hey. Donc, même si j'ai un peu poussé la balle de mon côté, bon, nous sommes les Douala de l'Ouest. Les Douala de l'Ouest. Donc, on peut dire que les Douala aussi sont élégants. Oui, ils sont très élégants, mais pas plus que les Banganté. Pas plus que les Banganté. Je te remercie, monsieur. D'accord, merci. Selon vous, quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? Bon, d'après moi, la tribu la plus élégante au Cameroun, c'est les Côtiers. Les Côtiers. Les Côtiers, les Douala, les Cribiens. En général, bon. Ils s'habillent bien. Et pourquoi ça? Bon, c'est dans notre culture d'abord. Et on vit ce quotidien. Parce qu'ils s'habillent traditionnellement, décemment, ils ne sont pas extravagants. Bon, on peut dire ça, oui. Je te remercie. Ah, merci bien aussi à toi. Selon vous, quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? Moi, je suis Bami. Et je pense que ce sont les Bami, les Baganté. Les Baganté. Et pourquoi ça? Pas parce que tu es Baganté? Mais bon, parce que j'ai des amis Baganté. Vu leur façon de s'habiller, ça me plaît. Et aussi, ils sont élégants, chic, je veux dire quoi? C'est ça. D'accord. Donc pour toi, ce sont les Banganté, rien à dire, il n'y a pas match. Avec les autres tribus, même les Douala, les Bassa, il n'y a pas match. Non. Ce sont les meilleurs. Je te remercie. Parlez, les gens m'ont pas écouté. Nous voulons savoir, selon vous, quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun qui sait bien s'habiller? They dress up very well. Yes. Actually, I can see my village. Where is your village? Babanké. Babanké is the which the province? The from Northwest. Northwest province. Yes. Okay. What? I love the attire because it is made up of good made materials and marking that is handwork art that is being used to design their dressing. Yeah. And more so, it's more of traditional because everywhere you go, you meet their dressing code. Even out of the country, you meet them the same, identifying where they come from. Yeah, that makes it unique. Thank you. Thank you too. À l'intelligence aiguisée, capable de pouvoir te parler et puis tu vas réussir. Quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? Ben, je veux pas être...
faut pas qu'on voit ça comme le tribalisme. Et moi, je vois que ce sont les Bassa. Les Bassa. Et pourquoi ça, les Bassa? Parce qu'ils sont sacrément bien foutus ou bien parce qu'ils savent marier les couleurs lorsqu'ils s'habillent? Bon, moi, c'est leur façon de vivre, en fait. Mm-hmm. Ils vivent simplement. Mm-hmm. S'ils veulent quelque chose, ils vont travailler pour l'avoir. Ils vont travailler pour l'avoir. Je te remercie, mon frère. Mm-hmm. Selon vous, quelle est la tribu la plus élégante au Cameroun? Selon moi, la tribu la plus élégante, ah, c'est les Ewondo. Les Ewondo? Ouais, ouais. Et pourquoi ça, les Ewondo? Ah, je sais pas. Parce qu'ils sont bien foutus, ils savent marier les couleurs, ils s'habillent bien. Un peu ça. Un peu ça. Mm-hmm. Je te remercie, mon frère. D'accord. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et même si elle ne vous a pas plu, notez en commentaire toute imperfection que vous avez rencontrée au long de cette vidéo. Vous avez la possibilité de donner aussi en commentaire la réponse à la question du jour. Nous vous invitons donc à vous abonner sur notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Suivez-nous aussi sur notre chaîne Rago Camer, où nous vous proposons toute l'actualité sur les ragots du Camer et aussi l'actualité sur le coronavirus. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.